Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons visiter le village de Combani. D'accord, Combani. Accrochez-vous. C'est parti. Donc là, vous voyez Gessema. Donc le Gessema, c'est ici. Pour ceux qui n'ont pas connu. Gessema Mayotte. Voilà, Gessema Mayotte, les amis. Bon, intersection Doukabé. On va s'immerger dans la ville. Doukabé toujours. Hein. Combani les amis, on est à Combani. Pour ceux qui se posent la question. Donc le snack MJC, le MJC de Combani. Terrain de foot. Terrain de foot de Combani. Il fait très chaud, les amis. Non, bien sûr, ça a beaucoup changé ici à Combani, comme vous le voyez. C'est pas ce qu'on a connu, ceux qui sont partis depuis longtemps. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc là, j'ai quitté Komoa Fidou pour venir filmer un petit peu ici à Combani. Il fait très chaud.
Alors j'ai oublié les chemins ici, punaise. Faut que je prends la route principale. On va couper. Faut qu'on coupe. On va passer chemin. Là, j'ai oublié depuis certaines années là. Voilà. Ça va comme. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Merci de partager le live pour plus de vidéos. Ouais, ici, ça a été cramé ici, là, on voit. Ça a dû être pendant les émeutes là. C'est ça les émeutes là, je crois. Regardez les émeutes. Tout cramé. C'est tout cramé. Donc je sais pas où on va, mais on y va. Vers Mireréni sûrement. Ah ouais. Mireréni c'est là-bas là. Kombani, je suis chez vous. Je suis chez vous. J'y suis. Je ne sais pas si on peut tout quadriller, mais je vais faire en sorte que là, ici, ce chemin-là, j'arrive à me retrouver. Je passais ici pour aller à Mireréni, donc c'est toujours le même endroit. Mais il va falloir qu'on se mouille les pieds. Ici, je me rappelle très bien là. Regardez la décharge. Donc, on va essayer de couper par là. Regardez les détritus, les déchets. Oui.
Normalement, ici, c'est un chemin. Je me rappelle, ça a beaucoup changé, mais je me rappelle quand même. Oh oh. Est-ce que c'est toujours un chemin? J'ai peur. Je crois que je suis rentré dans la cour. De quelqu'un. Vite. On ressort. Hé, Wanze Olaoul. Montre-moi s'il te plaît. Ah ok, c'est là. Merci hein. Hop là. Et on ressort par ici. Mais en fait c'est plus un chemin, parce que avant c'était un chemin. Maintenant c'est plus un chemin, on peut pas couper là. Oh putain. Maintenant il y a des habitats. On peut pas se faufiler. Alors, on va quadriller, on va contourner. Ça a beaucoup évolué. Je sais même pas où je vais là. Je sais pas où on va. Mais donc, Mirereni de Kombani. Alors, je transpire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, voyons voir. Ça a beaucoup changé ici. On va essayer de monter sur le toit pour avoir une autre vue. Là, c'est uniquement la vue qu'on va chercher. Je ne sais pas c'est chez qui,
Mais ça va me servir pour avoir une vision. Là, ici, c'est des bidonvilles, là-bas. D'accord. C'est sans doute ceux qui foutent le bordel ici. Donc, voilà. Ok, on descend. Donc Combani, on est à Combani les amis, hein. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Comme vous le voyez, ça a beaucoup évolué, ça a poussé en termes de maisons. Il y a beaucoup de maisons de tôle, comme ceci. Et quand je signale, tout le monde va. Alors ici, c'est bidonville. Hein. Je ne veux pas descendre là-bas pour l'instant. D'accord. Tout ça, c'est la bidonville. D'accord. On va rester. Donc réaliser un petit peu ce qui se passe ici, d'accord, ceux qui sont en France, ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui est devenu chez vous. Alors on va regarder un petit peu ça. Regardez ça. Ah, je transpire. C'est la chaleur qui est un petit peu frappante. Une chaleur pas possible. Très chaud. Donc Combani les amis, Mbréveni de Combani. Alors j'essaie de remémorer mes souvenirs, mais ça a beaucoup changé. Ah ouais. Ça a beaucoup changé.
Là, c'est la mosquée. Il y a une mosquée ici. Là, c'est la mosquée, c'est une mosquée. Bon, vous avez vu la mosquée. Alors. Hey, hey. Alors, pour l'instant, nous, on ne s'intéresse pas à ici. On va continuer par là. Il y a beaucoup de rues. Je crois que j'ai un souvenir d'ici. J'ai un souvenir d'ici, là, je crois. Là, ça me rappelle quelque chose, là. Ça me rappelle quelque chose ici, là. Je ne sais pas ce que c'est, mais... ça me rappelle quelque chose. Mais c'est grand, hein? Ça s'est élargi en tout cas. Là, tu trouves encore ça? Il y a une école ici là. Ça c'est l'école. On va s'incruster vite fait. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Tu vas pas à l'école toi? Si. Thank you.
Bon, refait demi-tour. Il y a supporter de PSG ici, là. PSG. Décharge sauvage. Merci de partager le live. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Voilà. On va prendre ce côté. Ça va? Ça va. Tu as récupéré ça où? Oui, Rengiavi. Mbroni? Vale. Mbroni? Oh, Kati. Ça va? Tsinziro? Kai Tsinziro? Ah, ok, bon courage, Bas. Ça sent le tsouzi. J'ai chaud, je transpire, wesh. Une mosquée, il y a une mosquée ici. Deuxième mosquée que, regardez. Toute la merde qu'il y avait là-dedans. Tu vois? Mayotte propre. Mayotte propre, ouais, je veux bien croire, ouais. Mais pour l'instant, non. Mayotte déchetterie, oui. Donc Mireni, ici c'est Mireni de compagnie.
Pour ceux qui demandent je suis où, donc voilà, on a vite fait le tour. Je suis pas passé dans le bidonville, mais quand même, bon, vous voyez un petit peu le résultat. Voilà. On va essayer de prendre la route principale parce que tout à l'heure j'ai coupé. Je transpire. N'hésitez pas à partager, les amis. Là, je me rappelle ici aussi. Ici, ça n'a pas changé, hein, ça n'a pas beaucoup changé. Toujours décharge sauvage. Voilà les amis. Oh, watch. On continue. Malgré la transpiration. La route principale. Ça, c'est la route principale pour aller Combani centre-ville, d'accord. On va rentrer ici un petit peu là-dedans. Je sais pas, c'est chez qui ici. Je sais pas si c'est un chemin ou... Il t'a fait mal.
Mais alors, tu vas où, toi? Hein? Alors, tout ça, les amis, c'est du bidonville. Hein? Tout ça, c'est du bidonville. Ce que les étrangers ici. Qui sont devenus des gens de compagnie, bien sûr. Des habitants de Kobani sont devenus. Alors, voilà. C'est des situations un petit peu critiques. Voilà l'immersion à Kobani, les amis. L'immersion à Kobani, quelle idée ça vous donne depuis que vous êtes parti. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Regardez tout ça, les décharges sauvages. Nous, on aime ça. À Mayotte, on aime ça. Regarde, on aime ça. Sans doute, c'est celui qui est ici, là, qui jette là. Sans doute, hein. Je dis bien sans doute. Sans doute. On est envahi de canettes, de papiers, déchets. Il n'y a que ça qu'on peut compter, hein. C'est pas très cool, mais... Voilà ce que ça donne la route. Alors c'est très grand, hein. On va prendre cette rue là. Kobani, c'est très grand, donc il y a des endroits où je peux pas vous montrer parce qu'il faut se faufiler. N'hésitez pas à partager le live, les amis, merci. Merci à vous de partager. Et moi, je vous donne un beau cadre pour que vous puissiez visiter chez vous. Ça t'a l'air rose comme ça. Ça va? Ça va, tu vas bien? Où? Si t'es pas pressé, j'ai envie de te poser une question. Je suis en live là. T'es en live? Ah ouais. T'as-t-il... Je suis connecté sur le réseau. Ouais, donc je peux pas faire autre chose. Là, c'est bon. Après, ça dépend de la question, c'est quoi? C'est juste pour du coaching. Ah. Avant que tu prennes mon... Alors, il faut faire. Faut faire vite. Toi, tu es du secteur? Non, non, je suis dans Zambour. Ah, ouais. Bah, alors, c'est quoi là? Nous avons un coach. On sait dire que nous avons un coach. Là, il faut regarder les pages. Les pages sur Facebook. Mais on ne peut pas être avec toi physiquement. Non. Tu ne peux pas parce que moi, je suis dans Zambour. Ah. Donc, voilà. À moins que je vienne dans Zambour parce que moi, je vais habiter à Mtsangamwa bientôt. Ah, mais.
Là pour l'instant je suis pas installé ici, je suis que pour 2 mois et après je reviens. Après je reviens, ouais. Après je vais revenir, mais pour l'instant je viens juste. Mais il faut regarder les pages. Parce que je vais commencer les coachings. Je vais commencer les coachings sur les pages. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça va aller. Oui, il n'y a pas de souci, merci. Donc ici il y a une mosquée. On va aller voir la mosquée. Hein. Alors, ça c'est la mosquée. Dis donc, il fait chaud là-haut. Ah, la mosquée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent cette mosquée-là? C'est quoi tout ça là? On dirait que les travaux ne sont pas aboutis. Donc, travaux non finis. C'est une extension de la mosquée, je pense. Ça, c'est un lieu de prière à l'extérieur, je pense. Ici. Donc ça, c'est la mosquée. Donc on va pas traverser dedans parce que c'est pas, on peut pas marcher comme on veut là-dedans, dans la mosquée. Faut respecter. Donc on va faire le tour ici là. Je vais faire un petit tour là. Donc là on est à Combani, hein, on n'est plus à Mirereni. J'ai cru que c'était un chemin, mais c'est pas un chemin. Thank you.
Ça, c'est pas un chemin. Il y a une mosquée. Là, vous avez la mosquée là. Alors, quel est votre constat pour Combani et Mirereni, le constat, c'est quoi? Vous pouvez donner votre constat. Les voitures ici, il y a de quoi être dessus, les amis, sur les quartiers, certains quartiers, surtout à Mirereni. Il y a beaucoup de bidonvilles. Hein, c'est pas trop ce que certaines attendaient. Donc, il y a du positif et du négatif. Il y a beaucoup de déchets aussi. Donc voilà, c'est ça qu'il y a chez nous. Hein. Moi, je ne fais que vous montrer la réalité, que chez nous, il y a du développement, mais il y a des choses aussi qui sont négatives par rapport aux déchets, par rapport au recyclage. Ah. Donc ça, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc la différence entre Combani centre et Mirereni, c'est que Mirereni a beaucoup plus de bidonvilles que Combani centre. Donc là, on va faire une sortie vers le grand carrefour, le grand croisement de... C'est quoi ça? Je suis obligé de... Voilà, il y a une école ici, là, à ma gauche. Il y a une école ici, à ma gauche, les amis. Pour les enfants.
Les gens, ils roulent en grosse gamos, en grosse berline, en 4x4. Mais quand on regarde l'état de Mayotte, franchement, c'est décevant. Les ordures, les déchets. C'est vraiment... C'est inquiétant, hein. Faut que ça devienne inquiétant, hein. Parce que l'île est polluée. On est pollué, en fait. On est pollué, on se rend même pas compte qu'on est pollué. C'est dommage, hein. Ah oui, c'est dommage. Alors ici, ils vendent des meubles. Pour ceux qui veulent des meubles à la maison. Ça vend des meubles. Ça vend des meubles aussi. Déchets. Alors, là on est Combani Centre, d'accord. Enfin, centre, côté de Gessema. Il y a le Gessema pas loin. Doukabé. Bon alors. Ok. Oula, attention. Véhicule. Alors, n'hésitez pas à partager le live, les amis. Toujours. Ah, c'est moi qui vous remercie, les amis. Tout votre soutien, votre partage. D'accord. Moi, je suis toujours là. Je suis toujours là, partager avec vous ce qu'il y a ici à Mayotte. Ce qui sera intéressant à voir. Donc voilà, c'est chez nous, ça mérite un petit peu que on fait une mise en avant pour voir ce qu'il en est. Fais-moi un coup. Il y a une mosquée ici à gauche. Oh, c'est une mosquée. Ouais, c'est ça. C'est une mosquée ici. Bien sûr, avec des grosses baraques à côté. Eh ben.
Voilà. Bon, ici. Ok, bon. Alors, est-ce que c'est un chemin? Ouais. C'est vrai quoi. Voilà. Alors c'est sans doute la route quand on vient de... je sais pas quand on vient de Sada je crois. C'est la route quand on vient de Sada pour arriver à Kombani. Si je dis pas de bêtises. Il y a la station essence là-bas. Merci. Alors nous, on reste quand même à Kombani Centre. D'accord. On reste quand même à Kombani Centre. Donc, chers amis, on y est toujours, vous voyez. Il n'y a pas d'image qui est trafiquée. Voilà, c'est la réalité. Voilà, c'est notre Mayotte à nous. C'est très grand Kombani. Donc, je quadrille. On va descendre. Cabinet infirmier. Soins à domicile. Beaucoup de... J'ai l'impression que... J'ai l'impression plus que Kombani, c'est plus comorien. C'est plus comorien, Kombani. Beaucoup de comoriens. C'est plus comorien, Kombani. Wangazi, ja. Oh, il y a un boom ici ou quoi? Ah, c'est intéressant à voir en bas là. On peut pas s'en passer à l'atoll, ça. On ne peut pas s'en passer de ça, nous. On peut pas mettre du bois. Hein. Obligé de mettre de tôle. Hein. Alors on peut mettre du bois, c'est bio. On n'a que de ça chez nous ici. C'est ça que je voulais filmer là, ça là. Tu vois? Problème. Alors comment on passe? Oh putain. Quel bordel. Ça doit faire un moment que c'est tombé ici. Alors, je vous montre un petit peu le dégât. Les dégâts. Alors, imaginez ça. Imaginez ça en France. Tomber sur une maison. Le jour même, c'est coupé. Regardez. Regardez ce qui se passe chez nous. C'est inadmissible, en fait. C'est inadmissible de voir des trucs comme ça chez nous. Il n'y a pas de compagnie qui va venir couper, ok. Dommage, intérêt, rien. Rien. Les Maoris, on est trop riches. Trop cons, trop bêtes. Voilà. C'est comme ça qu'on est. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, j'essaye de capturer un petit peu ici.
Je sais pas si c'est bidonville, je sais pas. Je sais pas du tout en fait. Je sais pas. Alors. Je sais pas. C'est vachement décevant. C'est vrai, je suis déçu, hein. Ça me déçoit de certaines choses. C'est quand tu marches comme ça que tu vois bien, parce qu'en voiture, tu vois pas. Mais quand tu te faufiles, quand tu rentres dans les bidonvilles, etc., c'est là où tu vois la réalité des choses. Ah, bienvenue à la réalité, hein. C'est la réalité, là. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas de... Alors, un cheval ici? Non? C'est quoi? Non, c'est pas un cheval, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Alors, on peut passer ici? Oh merde. On va passer quand même. Oh putain. C'est pas un chemin. Vous avez vu le bordel que c'est là-dedans là? Vous avez vu le bordel que c'est là-dedans là? Oh là 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 là. Alors, regardez-moi ça. Bienvenue à Kombani, centre de déchets. Centre de déchets. Oh, c'est joli. C'est beau, hein. C'est beau la communauté, hein. Oh putain. Dommage. Kombani, dommage. Kombani, dommage, hein. Vraiment dommage. Je dis vraiment dommage. Ça. Désolé, hein. Il va falloir se réveiller là. Le maire des compagnies. Il va falloir que tu te réveilles. Il va falloir que tu te réveilles très vite. Mon ami, parce que là tu dors là. Il y a des choses à faire chez toi. Et partout d'ailleurs. Hein, j'invite tous les maires, hein, à se mettre au boulot par rapport à la propreté de Mayotte. Parce que. Là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Comment l'ancienne? Salam alaikum. Yo, Tini. Tibaku? Yo. Yo, Tibaku? Ah ah, c'est ça, hein. C'est le Tibaku, hein. Hmm? Ah ah. Yo, c'est Tibaku. Ici, ça pique le nez, le. C'est ça, c'est le Tibaku. Elle fait le Tibaku, elle veut pas me dire. Je lui pose la question sur le Tibaku, hein? Non non non. Salam alaikum. Ah, maracuja, tzizi, raka zaiva. Raka zaiva. Alors, Kombani, désolant. Désolant. Alors, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de travaux.
What was in your house? Donc voilà, ici c'est l'entrée Combani, côté quand tu viens de Mzamboro. Et quand tu prends à droite, c'est direction Sada. Donc voilà, voilà. Je crois que c'est des lotissements. Lotissements, je ne sais pas si c'est les militaires ici. Là, là. Il y a des lotissements là. Mais ça, ils nous font de plus en plus des lotissements comme ça. Comme ça, si les Mahorais, ils veulent louer, bah, ils peuvent louer comme en France. Tu vois ? Résidence, on a une résidence ici, donc il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous la filmer, la résidence. Je vais rentrer dedans, je vais vous filmer la résidence. Bon, ça a l'air propre, mais je sais pas vraiment, tu vois, c'est la résidence ici là. Vous voyez les bâtiments, c'est des Mahorais dedans, hein. Donc il y a des familles, tu vois, il y a parking, etc. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup. À Mamoudzou, il y en a. J'ai vu à Mamoudzou. Et donc voilà, c'est la résidence ici. À Combani. Bon, pour l'instant, c'est bien nettoyé, hein. C'est propre. Commence à être un petit peu civilisé quand même, hein. C'est la sortie d'école. Ah. Après je vous laisse avoir votre opinion, les amis, d'accord? Vous pouvez avoir votre opinion. Moi, mon opinion, c'est juste que c'est trop sale. Il y a beaucoup de déchets. Donc voilà, c'est ça mon opinion. Mon analyse à moi, c'est ça. Quiz, ça va pas, non? Moi, je suis pas vieux. Hein? Arquiz.
Hey, tu m'as pris pour un bacoco ou quoi? Avant l'âge. Non. C'est joli là, le coin là, ici là, j'aime bien les arbres. Bon les amis, je vous ai montré le Mirai Reni de Kombani. Kombani, centre-ville. Donc voilà, les opinions que vous avez, c'est par rapport à ce que vous avez vu. Donc il n'y a que la réalité. Zokweli quoi. Voilà. Donc, on va se laisser ici. Oui, c'était du tibaku tout à l'heure. Donc, je vais vous laisser ici, les amis. Je vais vous laisser ici. On se retrouvera très vite sur une autre village à filmer. Peut-être une autre village tout à l'heure. Je ne sais pas. Je vais choisir au hasard, là. Et on va aller visiter. D'accord ? Je vous dis... tout à l'heure, dans une heure ou deux, on va faire ça. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout à l'heure.